Salut tout le monde, de retour pour la troisième partie de l'émission des jeux sont faits sur le sujet d'un jeu peut en cacher un autre, toujours avec Noé. Salut, salut, salut. Erwan. Salut toujours. Guillaume et salut. Moi Pierre. Pardon Guy, je te coupe là. Redis-le. Salut. Voilà, salut tout le monde. Salut Pierre. Aujourd'hui, c'est moi qui vous propose mon petit quiz et mon petit jeu. Donc on y va tout de suite sur les chapeaux de roue. Première image. Ah oui, Sunset Riders ou un truc dans le genre, mais arcade. Ouais, c'est de l'arcade là, ouais. Donc c'est pas Sunset Riders. Mais... Ah oui, non, je vois ce que c'est. C'est Far West. Alors, je... Bon, moi je vais pas participer parce que je sais ce que c'est. Erwan sait ce que c'est, il a vu le fripon. C'est bien Sunset Riders, ah, je vais pas vous, vous. Je ne vous détrompe pas. Hop. Mickey Mania. Mickey. On connaît bien Mickey. Hein. Mickey Mania version Mega CD. Ah ouais. Non, pas du tout. Mega Drive. Il est sur Mega CD aussi. Ouais, mais c'est la musique, ça. Okay. Et sur PlayStation, même, d'ailleurs. Donc, ouais. Jeu d'arcade western et jeu de plateforme Disney, alors Kingdom Hearts, non, je sais pas. C'est pas con. Alors ça, c'est ouais. Alien versus Cowboy, je crois, un truc comme ça, non? C'est Alien versus Cowboys, exactement. Film hollywoodien, ouais. Oula, alors attendez, c'est donc... Alors, est-ce que c'est un jeu avec, qui mélange un peu les ambiances Ah, mais c'est un jeu Disney, du coup. Alors, je vous laisse barboter en douceur. Castlevania. Castlevania. Pourquoi Castlevania? Le sais-je moi-même. Oh, moi j'y verrais quelque chose. Tu verrais quelque chose, toi qui sais. J'avance. Ça c'est Army Men. Bien joué, Army Men. Exactement. Ouais. Quelle force. C'est quoi ça, c'est PlayStation 2 ou, bah, il y en a, il y en a sur toutes les consoles. Ouais. Sur, même sur Game Boy, je crois. C'est une franchise bien et bien élargie. Hein, mais... Tout à fait. Alors, est-ce que globalement, alors, attends, j'ai une question sur Army Men, ça n'a rien à voir, mais est-ce que ça vient du film Toy Story? Non. C'est vrai que c'est la même période. Army Men n'a rien à voir. Army Men, mais ça surfe à fond là-dessus, bien sûr. Totalement. Alors, est-ce que vous en êtes... Pixar. Ah ben, Pixar. Alors, il y a beaucoup de références à l'animation. Hein. Ouais. À Disney, bon Disney, je crois. Donc, est-ce que tu es sur un jeu à licence d'arcade? Serait-on sur un jeu à licence? Ah, tu peux alors, répondre ou non, alors. À licence, oui. D'arcade, non. Mais un gameplay un peu rétro. Traveler's Tales. Traveler's Tales, le développeur, effectivement. Ça, c'est le logo du développeur, ça? Oui, c'est le logo du développeur. Alors, je te dirais, ça situe ou ça situe pas. Pour, ça dépend. Là, c'est une affaire vraiment de culture générale. Disons, si tu vois un peu le développeur ou si tu sais ce qu'ils ont fait. Ouais, ils travaillaient pas mal avec Psygnosis, notamment. Ouais, bien joué. Alors là, en l'occurrence, c'est pas forcément sur ce point-là qui va t'aider. C'est aussi pour qui ils ont fait des franchises, pour qui ils ont développé. Donc, ils ont développé un jeu Disney. Ils ont développé un jeu Disney. Je vous donne une dernière image. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, oui, oui. Clockwork Knight. Fortnite 2, exactement. Ouais, ouais. Bravo. Avez-vous, commence par un boss. Avez-vous donc, en gros, une idée, à partir de toutes ces images, de ce dont il peut s'agir? Ça peut être le jeu Toy Story, avec Woody pour le Far West, peut-être. Bravo Noé, ouais. Écoute, c'est... Ouais. Ah, là, c'est juste le quiz, je connais pas le jeu, mais c'est juste les... c'est ce qu'on pourrait supposer. Effectivement le jeu Toy Story, développé par Traveler Tales en 96 sur Mega Drive, et on s'y rend tout de suite. Alors, Toy Story, du coup, effectivement, je te disais, Guillaume, Psygnosis, tu irais pas du bon côté, mais Psygnosis est dessus. Hein, c'est simplement, si je te dis ça, c'est parce qu'il fallait surtout penser à Traveler Tales comme développeur de Mickey Mania, de ce côté-là, oui, oui, je comprends. De l'adaptateur. Donc, je vais jouer, du coup, hein, je ouais. Précise. Et je vais presser Start, et puis, waouh. Est-ce qu'il y a des trucs à voir? Oh, non, on voit le jeu. Excellent. Non. Bon alors, tout le jeu va être ponctué de petites historiettes comme ça qui retracent le film et l'explicatif du niveau et de ce qu'il faut faire. Ouvrir le saut, votre des soldats et localiser le bébé moniteur. Ouais, le baby moniteur pour le babyphone, c'est ça. Ok. C'est pas trop tordu, je te brieferai si besoin. On va bien voir, hein. Petit baissage. Alors. Alors. Pourquoi ai-je choisi ce jeu, à vrai dire? C'est du jeu. Ah, ça c'était Castlevania dans le quiz, à cause du fouet. Toute l'action repose sur le fouet.
Alors c'est assez rigolo que là jusque là on a après Kirby et Binding of Isaac c'est Toy Story, donc je sais pas, un jeu peut en cacher un autre, ça nous a tous inspiré des trucs liés à l'enfance. Bon, c'était pourtant pas le thème. Le bucket, mais... le bucket, faut hop faire sortir tous les petits. Ah, les petits soldats. Alors je l'ai pris en l'occurrence pour ça parce qu'on va peut-être pas réussir à aller très loin, mais le premier niveau est déjà un jeu de plateforme avec des objectifs. Ah mais non, c'est sa montre à gousset en fait. Le deuxième niveau. Ah ouais, ouais. Non, c'est son. Ah non, c'est son sa tirette. Ah oui, exact, ta tirette. Ouais, pardon. Le deuxième niveau est un autre niveau de plateforme avec un petit peu d'autres formes d'objectifs, mais ça se ressent. Mais simplement, c'est quand même un jeu qui vise, lorne vers le multigenre. Il y a de la course en isométrie. Il me semble me souvenir, ça fait longtemps que j'ai joué, qu'il y a aussi de la course dorsale. Il y a du Doom-like à un moment donné, en vrai 3D sur Mega Drive. Donc vous pouvez le voir, c'est quand même du jeu assez fin de vie de machine. C'est 1996. T'es mort. Mais je sais pas t'es mort. Ah, le ballon, on perd une vie. C'était, je sais pas si c'était le ballon, mais t'as le nombre d'étoiles qui te donne ta vie. C'est pas un jeu très difficile. Il y a pas un timer. Pas très difficile, je trouve que tu vas faire. Alors, parce que c'est incompréhensible, je trouve, ce qui se passe à l'écran. Ouais. Non, en fait, ça suit globalement l'intrigue du film. C'est pas. C'est pas qui nous touche, qui nous touche pas quand ça. Tu vois. Il faut tirer sur tout ce qui est. Alors là, je suis d'accord au niveau hitbox, c'est pas terrible. D'accord. Voilà. C'est pas un problème de hitbox, mais c'est plutôt de la localisation de ce qui est de l'ennemi, de la définition de. Exactement. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de la plateforme, enfin genre le petit train il est en bois, on pourrait croire qu'on peut monter dessus. Bah, une fois qu'on l'a arrêté, on pourrait croire qu'on puisse monter. Ouais, après là c'est parce qu'on est en train de le tester comme ça, avec une logique aussi de oui le ballon avec un cœur, avec un petit point d'interrogation, c'est méchant effectivement. Mais je t'avoue, je me suis posé aucune de ces questions quand t'es gamin, en fait ça semble assez évident. De toute façon tu joues à risque, tu fais confiance à rien. Avance un peu encore Erwan, voilà, et t'as fini le premier niveau. Enfin, c'est vrai que. Pour comprendre quoi faire, quoi. Ouais. C'est un peu mystérieux. C'est mystérieux, c'est pas trop tordu non plus. Il y a peut-être une notice avec le jeu quand tu l'achètes à l'époque qui te dit les choses. Oui, ben, même là, ça oui et non, mais tout simplement, t'as le didacticiel juste avant le niveau et après, ben, tu fais gaffe à pas trop toucher les. De toute façon, tu découvres en jouant, c'est aussi le plaisir qu'on a oublié, nous, maintenant. Le plaisir, c'est de ne pas savoir ce qui est du lard ou du cochon, c'est ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est non, pas. Non, mais je veux dire, il est pas très clair, contrairement à Mario ou à un Sonic, bon, qui sont quand même deux références. Ouais, mais on a tous été habitués à voir des jeux en tant que gamin pour lesquels on devait passer un certain temps à déchiffrer. Oui. Et la notion de déchiffrage, elle compte. Là, il faudra que tu les fasses, que tu les mettes tous dans leur boîte. Ah, d'accord. C'est super compliqué. C'est dit dans le petit intitulé. Hein. Voilà. Hop là. Et tu vas tous les chercher et après libérer. Voilà, libère-les tous. Libérer. Alors pourquoi je l'ai pris ? À vrai dire, en fait, ça part d'une anecdote que je pourrais plus vous la situer. Sur le plan de la source, je crois que j'avais vu ça sur internet ou sur un magazine de l'époque. De l'époque Saturne, hein, je vais préciser, c'est 96. C'est une anecdote assez amusante. C'est à la sortie de Clockwork Knight que j'ai présenté. Ouais. Qui était en indice. Qui était en indice avec Mickey Mania. Clockwork Knight qui pioche beaucoup dans Castle of Illusion. Et, alors, donc, je vais vous raconter l'anecdote entièrement. Les développeurs de Toy Story, là, en 96, qui est sorti après Clockwork Knight, ont pris contact visiblement avec les créateurs de Clockwork Knight et leur ont dit, vous savez, votre jeu nous a beaucoup inspiré. Clockwork Knight a beaucoup inspiré Toy Story. Et les gars de Toy Story leur ont dit, ah, c'est drôle, parce que nous, c'est votre Mickey Mania qui nous a énormément inspiré. Et en fait, ça a fait un aller-retour. Ça pioche aussi dans Castle of Illusion de chez Traveller Tales, si je me plante pas. Pareil. Et donc, c'est assez rigolo parce que, en fait, un jeu peut en cacher un autre au sens où il y a une inspiration croisée, comme ça, inattendue, et finalement, ouais, hop là, tout se ressemble. Là, t'as un timer, donc il faut que tu. 40 secondes, tire bon. Ouais, vite, hop là. Ah, mais c'est raté. Ah, si non, tu l'as eu, bah, sauf alors, vite, va sur le lit maintenant. Bien, ouais, sur le lit. Sur le lit, va au lit, tout au bout. Ouais, je l'ai vu. Mais il en a mis 3, Joujou. Mais si, il y en a d'autres qui sont partis à droite, il y a un robot qui a été faire des trucs. Non, c'est bon, il a mis tout ce qu'il fait. Non, pas un robot, un gros musclé là. Ouais. Mais le gros musclé, il va se cacher en fait, c'est bon. Les musiques sont abjectes. Ouais. Va sur le lit à partir de. Avance, t'as pas beaucoup de temps. 17 secondes. Sors. Voilà. Hop, c'est bon. Ah, tout le monde s'endort, oui, d'accord. On répète les scènes du film. Alors, donc, moi, je l'ai pris essentiellement pour cette anecdote que je trouvais intéressante sur le plan de l'influence, du croisement, comme ça, même inconnu des créateurs qui découvrent ça. C'est aussi un jeu qui cache évidemment un film,
Enfin, il le cache pas. Qu'il le cache. Non, c'est aussi un jeu vidéo qui cache du jouet, puisque quand même tout part de la notion de jouet, et que là en fait ça matérialise un peu le fantasme de la figurine, le vrai fantasme du jouet. Le jeu vidéo. S'anime. Voilà. Peut-être que le jeu vidéo, d'une certaine façon, est l'apogée de la figurine, est l'apogée de la matérialisation du fantasme du jouet pour enfants. Alors là, c'est encore un autre type de niveau en poursuite, disons. Tu peux t'accrocher avec... La hitbox, on comprend pas trop. Ah oui, avec ça. Avec ton crochet, tu peux faire ça, mais fais gaffe. Ouais. Bah, il se la pète, là, un peu, Buzz. Ouais. Oh, saleté de dauphin. T'as des checkpoints. C'est la forme de Woody qui est pas très gérable aussi, c'est une espèce de grand bâton. Ouais, mais tu vois, c'est pas... Comment dire, c'est pas... Vaut mieux que tu le prennes une fois que 10 fois. Ouais, 2 fois. Donc, voilà, moi, c'est un jeu que j'ai pris un petit peu comme ça au croisement de plusieurs choses, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est du multigenre. Ça touche aussi au jouet qui est incarné. C'est aussi une adaptation de franchise. Pas que tu fasses ça. C'est pas un jeu qui est compliqué, mais par contre, je voulais quand même. Attends, je le trouve exigeant. Enfin, il est pas précis. Ouais, quoi. Il est surtout pas précis. Alors, anecdote quand même, c'est le seul jeu de mémoire où. Même, ça, c'est pas difficile pourtant, mais là, pour moi, tu mets un peu de mauvaise volonté où je le connais assez, mais. Il y a un peu des deux. Là, il y a le checkpoint en haut que t'as raté. Hein. Ah bon? Non, les 10 premiers niveaux, gamin, je les faisais sans problème. Par contre, c'est le seul jeu qui m'a fait chialer de dépit. Et de frustration, de vexation à cause d'un moment donné où la difficulté grimpe en flèche sur un boss et c'est impassable. J'ai passé un mois à bloquer, quoi. Donc, Ah merde. Oui, on savait pas. On sent que la palette de la Mega Drive touche un peu ses limites parce que tout est vraiment marron. Au niveau couleur, ça change énormément de couleur. Alors ça, c'est parce que t'es dans la chambre. Ça change énormément de code couleur dans les différents endroits. On va au truc planète, là, à la salle d'arcade. Ouais. On passe par les différents lieux du film, il faut utiliser les crochets. Game over. Est-ce qu'il est sorti sur Super NES? Il est sorti sur Super NES. Est-ce qu'il a la même forme? Je ne me souviens pas. Ah, est-ce que c'est exactement les mêmes choses? Ouais, parce que Mega Drive, Sega avait toujours des. Ouais, des je crois que c'est différent, mais. Il me semble aussi. Ouais. Alors, je tiens à dire aussi que c'est un peu une exception, je la referai sans doute pas, parce que moi qui prendrais plutôt Pierre Carl pour un héros de la résistance moderne, enfin plus solitaire que pour l'époque de la résistance, là je me vois présenter un jeu Disney, donc comme quoi tout peut arriver. Pas du tout cohérent avec les idées. Disney c'est plutôt l'antithèse de. J'en suis très loin. Mais c'est aussi un jeu Traveller Tales qui sont pour moi un vrai développeur de qualité, à mon avis, malgré le sentiment que vous en avez là. Un peu comme quand Treasure travaille pour McDo, quoi. Ouais, exactement, oui. Ça pourrait tout à fait être ça, oui. Quand un développeur d'exigence avance un peu, essaye de faire quelque chose. Ouais, en fait, si vous vous souvenez du film, ça, ils utilisent le moniteur bébé pour parler avec les petits soldats, etc. Et tout est écrit dans les textes que vous ne lisez pas. Hein. Ouais. Donc, lui, direct. Donc voilà, finalement, c'est un jeu qui est intéressant sur le plan du dilemme de l'adaptation d'un film d'aventure. C'est la fameuse tentation du multigenre et de l'illustration de chaque scène du film. Voilà, ça fait un sentiment de jeu produit plus que œuvre et vraiment jeu à part entière. C'est un jeu qui donne beaucoup aux joueurs, mais qui finit par se perdre pas mal aussi. Et comme vous disiez, qui est assez flou, un peu abscons. Mmh. Là, après, c'est parce qu'on ne joue pas dans les conditions qu'il faut non plus et pas avec l'âge qu'il faut. Oui, sans doute. Voilà. Donc finalement, c'est. Il n'est pas désagréable, hein, mais. Ouais, il est bon. Raison, je pense qu'on n'est plus du tout dans le cœur de cible. On n'est plus capable de le prendre comme ça, comme jeu de plateforme. Parce que du jeu de plateforme foufou sans logique, on en a bouffé quand même au kilomètre, c'était une norme. Et celui-ci est plutôt hyper cohérent en fait au niveau écriture. Il y a vraiment une action à faire qui a un sens dans. Il y a des intentions. Il y a des intentions. C'est peut-être pas forcément évident. Aujourd'hui, on mettrait des voix, on donnerait les moyens de l'expliquer mieux. Sur Mega Drive, avec un fichier qui pèse 2 mégas, on fait peut-être pas mieux. Je rappelle qu'il y a des passages en 3D temps réel dans ce jeu. Et beaucoup de précalculés, évidemment. Donc finalement, je concluais sur l'idée que c'était un jeu ou un non-jeu, parce qu'il y a une identité un peu floue entre le film, entre le jouet, entre un truc qui est un peu noyé dans ses formes, avec une difficulté hyper irrégulière. Des fois c'est pépère, des fois c'est hardos. Comme je vous disais, c'est la première et dernière fois, j'espère, que j'ai chialé à cause d'un foutu jeu. Non, c'est bon, tu peux y retourner quand ils sont cachés sous le lit, ça devrait. Voilà, c'est bon.
Et voilà, et c'est aussi très difficile parce que quand on passe à une scène en isométrie, le maniement devient impossible. Enfin voilà, ouais, ça change les commandes. C'est une scène en isométrie. Voilà, ça change de commande à tout, à tire-larigot dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et comme je vous disais, c'est un peu la mise en abîme du jeu d'enfant avec une figurine. Et en ce sens, c'est peut-être la forme la plus aboutie de Toy Story, c'est le jouet vivant, vraiment et jouable. Toy là. Story, par ailleurs, il est... moi je trouve un très bon film hein, de toute façon. Oui, oui, c'est, ça a le mérite historique du premier film d'anime, 3D, intégral. Long métrage. Le long métrage, voilà, intégral, je voulais dire long métrage, pardon. Et voilà, bon, j'ai fait le tour sur ce petit jeu sympatouille, Mega Drive, quand même, pas rien pour de la Mega Drive. Et une fois que t'as pris les commandes en main, ça coule pas mal aussi. Hein. Et bah. Bon, attends. Sympathique. Donc, Loco. Clockwork Knight est sorti... Avant Toy Story, ah mais ouais. juste avant, hein, c'est 96 ça, donc Clockwork Knight sort effectivement... C'est début, hein, deux ans début avant, Saturne... 94 Non, je crois que c'est 95, ou enfin il sort vraiment pas longtemps avant, j'ai regardé les dates. D'accord. C'est Clockwork Knight, non t'as raison, c'est 94 effectivement. Et voilà, le temps de développement de ça, t'as raison Guy, excuse-moi. Non, mais... si c'était début Saturne... Bien joué, Juan. T'es revenu assez rapidement à ton point de... Ouais, bah, j'avais fait un peu n'importe quoi tout à l'heure. C'est un jeu pour gosses, mais il faut se concentrer. Hein. C'est un jeu qui a une... Oui, c'est vrai que t'avais fait un peu... Là, il faut faire du crochet. Ouais. Ça va, on intègre... Bon, en fin de compte... Oui, on intègre assez facilement. C'est du ressort de jeu. Quand on compare à un Mega Man 2, par exemple, on se situe tranquillement dans... C'est du Swarm Gym, oui, si on veut. David Perry aurait pu faire ça. Le chapeau, c'est une vie, mais bon, encore. Et là, t'arrives vers la fin, mais bon, ouais. C'est dommage. Bah, ceci dit, il y avait un petit avion. Un petit avion juste avant, hop. Tous les êtres qui sont pas vivants, qui sont les hélicoptères et tout ça, sont les ennemis. Attends, il voltige en style. C'est un peu la même chose dans Clock Tower. Il te prouve qu'il est plus balèze que toi, là, je crois, en fait, qu'il en a rien à foutre. Ah oui, c'est ça. Que oui. Lui, il peut voler. Et oui, toi, parce que c'est vrai que c'est une histoire de... N'essaye pas de les tuer, tu vois. De compétition, entre eux. Tout le film est vraiment retracé, en fait, mais il faut le déchiffrer. Et mais il est en roue libre total, il a pris un truc, quoi. Ah putain, mais comment on les a... On tire dessus, il faut tirer. Ouais, mais ils continuent de voler. Non, tu les tapes et c'est bon, tu te blesses pas après. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout con. Ah oui, mais tu vois, mais j'aurais réagi comme Erwan. Ouais, c'est clair, c'est pas... Mais non, tu sais pas. Ah, un point de vie. Vas-y, saute sur le lit, c'est le final. Non, mais c'est hyper dur, putain, au final. Non, c'est vraiment pas trop compliqué, mais encore une fois, on n'est pas dans le dispositif idéal pour... On est peut-être dans le 3D, là, non? Ça met un peu de temps avant d'arriver au niveau 3D, quand même. Ça, c'est le quatrième niveau qui arrive, là. Enfin, quand tu dis 3D, c'est 3D à la Mickey Mania. Non, je parle de vrai 3D. Là, c'est un boss. Ah oui, ah d'accord. Ah, tu bats... Bah, tu te bats le fantôme. Mais c'est un shmup. C'est un boss qui a une allure. Attention aux petites boules. Ouais, j'ai plus de 3 points. En fait, je suis assez étonné parce que vous dites que c'est méchant. Ça, Binding of Isaac, vous iriez avec 10 fois plus de résistance. Et là, tu fonces dans tous les objets sans te poser la question. Ouais, mais c'est pas très clair là. J'ai joué 200 heures. Oui, mais pourtant, ça me semble évident. N'importe quel gamin irait pas dans les boules là, si tu vois les boules de feu. Le fouet de Buzz, il faut taper Buzz derrière. Non, n'importe quel gamin. C'est... Attends, moi je fonçais dans le. Mais attends, mais ça, c'est un boss Castlevania type, ça par exemple. Et tu sais que tu ne vas pas dans les boules de feu qui tournent autour d'un boss de ni dans son mais laser. T'y vas pas, mais c'est pas très maniable. C'est pas toi qui l'as développé, Jean-Pierre, c'est pas grave. Là, tu lui as enlevé une. Non, il touche même pas. Il touche même pas. Vas-y, t'es full vie là. Ah, il me laserifie. Attention. Ah, il est mort. Non, pas du tout. Alors, j'ai pas dit que c'était un jeu évident. Hein. Il me semble que ça se travaille au password aussi. Bon, Verwan, t'as pas démérité quand même. Écoute, j'ai été au premier boss. Et on n'a pas vu du coup tout ce qui relevait du multijoire, mais c'est pas grave, je vous assure, il y en a. Bah, chacun peut découvrir ça aussi chez lui. On est très loin du schmup, c'est prenable, c'est vraiment abordable, c'est quand même un jeu pour gamins quand même. Ouais, mais bon. Non, sur mais. Il y en a plein des jeux pour gamins. Tu vois, c'est pas carré quoi. Ah non, mais il y en a plein des jeux sur NES qui sont pour gamins, qui sont hardos, effectivement, et terribles, je suis d'accord. Celui-ci, c'est quand même plus prenable. Hein. Franchement, la question de la collision, il y a de l'inertie, tout ça, mais... Bon, après, Pierre, tu dis ça, mais tu te l'es mangé à fond quand t'étais petit, tu poses plus la question, quoi. Alors, je suis d'accord, mais c'est ce que je vous disais, je crois qu'il y a aussi une question d'âge. J'étais petit, mais vous auriez 10 ans, et on n'y jouerait pas à 4 en train d'essayer de l'analyser. Non, mais...
ça serait plus... je le trouve assez chouette, mais globalement, je suis pas d'accord avec toi au niveau de l'humanité. Particulier, il est pas dans les canons, il répond pas bien comme un Mario, on a l'habitude. Mais moi, je l'associerais à un Donkey Kong. Pour moi, c'est dans l'inertie, mais. Il est plus dans un Donkey Kong, mais ouais. Un Donkey Kong, c'est vrai qu'il faut se le prendre en main quand même. Écoute, j'ai jamais eu de difficulté. Pour moi, ça me semblait très basique des jeux où ça glissait un peu comme un Donkey Kong ou un. Peut-être que c'est pas dans les canons aujourd'hui ou effectivement même à l'époque. Même à l'époque. Ah, je sais pas parce que à l'époque ça m'a jamais posé de problème. Ce petit avion là, il t'attaque ou pas? Mais oui, il t'attaque en bulle, mais quand tu le frappes, il fait plus de bulles. Par exemple, les feedbacks sont pas clairs. Ouais, les feedbacks très clairement. Oui, mais là c'est comment dire? Là c'est une logique de joueur qui a mangé 20 ans de jeux vidéo. C'est quoi ces cordes? Le petit camion, on dirait qu'il est derrière. On sait pas si il y a des choses qui sont pas claires. Très honnêtement, je dis pas ça pour dénigrer le jeu. Parce que tu peux, hein, y a pas de problème. Très honnêtement, moi à l'époque, sur le déchiffrage du jeu, je n'ai eu aucun problème. Ça me semblait évident que c'est de ces trucs qui sont en plein milieu qui passent et qui font du bruit. Oui, ça semble être un ennemi, mais pour dire par exemple le fait que les avions, quand tu les touches, ils disparaissent pas et tu puisses les traverser sans que ça te fait mal, c'est pas grave. C'est pas évident. C'est pas clair. C'est comme un stunt ou je sais pas, il y a quand même un indice, il y a de la fumée. Mais c'est pas ultra limpide en termes de feedback. D'accord. C'est pas logique. Mais ça encore, ça serait intéressant à analyser. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on a tout nous est mâché ou pas? Moi, je vous assure qu'à l'époque, je n'ai eu aucun problème pour le déchiffrer du premier coup. Vraiment, hein, là, je charrie pas. J'étais gamin. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais la même chose que vous si je le découvrais, sans doute. C'est un débat intéressant. Hein. Mais vraiment, ça me paraissait assez pas trop compliqué. Je sais pas si le jeu a eu du succès. Non, mais ça va, c'est pas imprenable. Je dis juste que c'est pas clair. C'est pas évident. C'est pas clair du tout. C'est pas super clair. Et même, je sais pas. D'accord, mais c'est intéressant. Et même graphiquement, les couleurs. Ah oui, c'est clair. En plus, les alliés ont le même genre de pattern que les ennemis, ils font les mêmes cycles de mouvements. Faut apprendre son langage en jouant, quoi. Faut apprendre le langage du jeu, qui est assez particulier par rapport à... Alors, il y a peut-être un truc qui rentre en ligne de compte, c'est de le jouer à l'époque où le film est sorti. Et avoir vu le film et tout ça, je crois que ça travaillait un petit peu. Parce que pour moi, il est évident que les personnages qui ne sont pas dans le film, c'est-à-dire les petits avions, les hélicoptères, les trucs, sont des méchants. Alors que tous les autres qui sont figuratifs et qui font leur cycle en boule, sont des gentils et te passent devant, quoi. Peut-être. À la limite, c'est des méchants, pourquoi pas? Moi, je parle du fait, par exemple, que l'avion ne disparaisse pas quand tu le. Ou ne soit pas bloqué. La locomotive, elle est câblée, tu vois, quand tu la touches. On voit bien qu'elle est bloquée. Mais l'avion, moi, je t'avoue, comme je disais, d'un coup, on voit que son moteur crachote. On voit rien du tout. Pourtant, ça tire. On a plus l'impression qu'on lui a mis un coup et qu'on doit lui en mettre un deuxième pour que vraiment il finisse. Alors, mais ça, c'est très intéressant, mais. Il y a un rapport d'échelle de plateforme qui est un peu bizarre. Genre, les échelles. Tu peux pas arriver à toutes les plateformes. Toutes les hauteurs, t'es obligé de sauter sur des trucs qui sont à mi-hauteur. Ça, je pense que c'est voulu, par contre, du point de vue développeur. Quel chemin mais c'est juste intéressant. J'ai l'impression, moi je vais pas le défendre plus que ça d'ailleurs, je me suis positionné un peu anti Disney là d'ailleurs, mais bon, et la nostalgie ne participe pas du tout, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous l'attaquez sur le fait que il faut prendre le temps de le jouer pour le découvrir, et ça c'est intéressant parce que ça me semblerait logique par rapport à aujourd'hui, disons. Mais par rapport à cette époque, moi je me rappelle pas tu vois ce que je veux dire. Enfin, chaque jeu avait un peu ses codes ses difficultés, son langage, tu prends maintenant c'est plus mais même formaté chez Disney, en termes de... même chez Disney, un truc comme le livre de la jungle sur Mega Drive ou le Roi Lion ne répondent pas du tout à la typologie de gameplay. C'est tout un accessoire pour le livre de la jungle, tout en comptage de cartouches, quoi, et tout. Et puis on découvrait ce qui était de la hitbox, ce qui était effectivement du touchable, du pas touchable en le jouant, quoi. On le découvrait pas au milieu des années 90, on le découvrait avant ça. Mais ce que je veux dire, pendant le jeu, ce qui était touchable et pas touchable, on le découvrait au fil du jeu. Mais ceci dit, Pierre, quand tu dis on l'attaque, ça va, hein, c'est pas. Mais vous avez le droit, j'entends tout ce que vous dites, c'est intéressant. En vrai, il est plaisant le jeu. Moi, je dis juste qu'il a des trucs où il est pas clair. C'est pas clair. Je trouve que les feedbacks sont pas clairs, mais c'est un jeu qui est sympa. Les requins là. Oui, c'est vrai que qu'est-ce qu'ils foutent là, les requins? On comprend pas. Après ça, c'est une remarque qu'on peut faire pour tout. Pourquoi les routines de Castlevania sont en orbite chiante? Pourquoi les os me tombent toujours sur la gueule? Pierre, c'est du second degré. Non, mais c'est vrai qu'il y a des jeux où le level design est parfait, et là c'est loin d'être le cas. Et plus limpide, mais je suis d'accord. Voilà. C'est flou, disons, et c'est pas stabilisé. C'est pas une leçon de game design. Donc en fait, on est d'accord. Mais à l'instar d'un Donkey Kong, j'appréciais le fait que ça ne soit pas au coude à coude, au touche à touche, avec que ça soit pas carré. Que ça soit pas absolument. Tu vois, qu'est-ce qu'on a là? Excuse-moi,
toi, Guy. C'est ça passe de bulles à fumer. Ça passe de bulles à fumer, quoi. Donc. Bon, alors du coup, on va en finir avec le jeu qui, pas mal, qui lève un débat houleux sur ce qu'est un bon game design aujourd'hui et d'antan. Très bien, bon ben voilà, c'était Toy Story. Et ben ciao tout le monde, à bientôt pour un dernier jeu, un quatrième jeu, pardon, sur le thème d'un jeu peut en cacher un autre. Ciao tout le monde! Salut, salut! Salut, bisous!